Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une petite séance de yoga avec ce beau temps. Donc aujourd'hui cette séance va vous permettre de retrouver votre dynamisme, de tonifier un petit peu tout le corps et surtout de vous apaiser au niveau de votre esprit, de votre mental. Donc on va commencer cette séance tranquillement. Donc on va inspirer profondément et on tire bien les bras vers le ciel. Et en soufflant, détendant les bras. On inspire encore profondément. Et on relâche les bras. On inspire. Et on souffle. On relâche les bras sur le côté. On inspire encore. Et on souffle. Et encore une fois, on inspire. Et on souffle. On va commencer un petit peu à serrer le bas du ventre, les abdos, sans aller sans que le corps soit complètement crispé. Donc, on se stabilise parce que si vous êtes comme moi sur la pelouse, vous cherchez un endroit où il n'y a pas de trou. Et on inspire, donc on serre bien le bord du dos, les abdos. On inspire et on souffle, encombrant la colonne en arrière. Et on souffle devant, on tire bien la colonne devant, on descend les bras. Si on peut jusqu'au sol, si on ne peut pas, bien on fait ce qu'on peut. On inspire encore à nouveau et on souffle en arrière. Et on inspire, on souffle à l'avant. On inspire encore et on souffle devant, tranquillement. On se redresse, on serre bien les pieds. On redresse bien le corps. On va inspirer, on va glisser le bras droit tout le long de la jambe droite jusqu'à la cheville. On inspire, on reste bien sur sa respiration, on souffle, en remontant. On inspire, on souffle, on fait le côté gauche. Voilà. On inspire, on remonte. On inspire, on souffle, on descend le bras à droite. On inspire, le bras remonte. On inspire, on souffle, on descend le bras à gauche. On inspire, le bras remonte. Alors, à présent, on va serrer les pieds. On va bien avancer la jambe droite devant. On va bien la plier. Une fois que la jambe est bien avancée, bien pliée, on descend et on descend le genou gauche au sol. On inspire, on joint les deux mains, on redresse les bras devant et on souffle devant et on penche ici, bien comme il faut, comme si on plongeait en avant. On inspire, on se redresse. Cette fois-ci, on descend les deux bras en soufflant devant. On lâche le bras gauche. On va le placer sous l'aile gauche et on tire le bras droit bien devant, comme il faut. On inspire et on souffle, on tire. On inspire profondément. On souffle, on ramène le bras gauche. On inspire, on ramène le bras droit sous l'aisselle. On inspire et on tire bien le bras gauche devant. On inspire, on ramène les deux bras. On monte. Et on souffle à nouveau devant, ici, on tire bien la colonne. On inspire, on se redresse. On souffle, on descend les bras. On défait les jambes. On rééquilibre. Pieds bien alignés. On va avancer tranquillement le genou, la jambe gauche, on va la plier bien, et une fois qu'on a plié,
On descend la jambe droite au sol et on décale le pied. On inspire, on monte les deux bras au ciel. On souffle. On inspire. On souffle, on tire devant, ici. On inspire, on monte, ici. Et on souffle, ici, on tire les deux bras. On lâche le bras droit, on le ramène sous les selles droits, on tire bien le bras gauche, ici. Et on inspire, on souffle, on ramène le bras droit. On inspire, on ramène bien le bras gauche sous les selles gauche. Et on tire bien le bras droit devant. On inspire, on monte les bras au ciel, on tire bien, on inspire, on souffle devant, ici. On tire, on tire, on tire. Et on ramène les bras et on défait les jambes. Alors, on se stabilise encore un petit peu, on rééquilibre les pieds. On aligne bien les orteils, bien les talons, on équilibre bien le dos, bien le bas. On continue, donc on avance cette fois-ci bien la jambe droite devant. Une fois que la jambe droite est bien avancée, on pivote. On inspire. On va bien plier la jambe droite devant. On inspire, on ouvre bien les bras et on souffle. On inspire encore, on lève bien les bras et on souffle. On inspire avec la main droite, on descend, placer soit la main sur le pied, soit sur le dessus, soit à l'arrière, à côté du petit orteil. On le regard. On inspire, sans déplier la jambe, on se redresse. Et on souffle en descendant le bras gauche sur la jambe gauche. On tire bien le bras droit. Et on se remet. On inspire, on pivote sur la jambe droite, le buste. On les mains, on tire bien devant les mains. Et on inspire, on lève bien les bras au ciel. Et on souffle, on descend les bras. On lâche le bras gauche et on avance bien le bras droit devant en soufflant. Bien la main gauche sous l'aisselle gauche. On inspire, on souffle. On change de bras. On inspire, on ramène bien le bras droit sous l'aisselle droite. Et on souffle. Ici. On inspire, on défait la jambe. On monte les deux bras, la jambe. Et on inspire, on se redresse. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire. Donc on ouvre bien le pied à gauche et on souffle. On inspire, on plie. La jambe à gauche, on monte les bras et on souffle. On inspire encore, on souffle. On inspire, on descend le bras gauche à côté du petit orteil gauche, on monte bien le bras droit aussi. Et on souffle bien, on respire tranquillement. On profite de ce moment. On remonte, toujours jambes pliées. Et on pivote sur la jambe gauche. On joint les deux mains et on tire bien les bras en avant. On inspire, on monte les deux bras au ciel. Et on souffle, on tire, on vient ici devant les bras. On lâche le bras gauche, on vient le mettre sous les selles gauche. Et on souffle, on tire bien le bras droit. On inspire, on souffle, on ramène le bras gauche. On inspire, on tire le bras droit sous l'aisselle droite et on tire bien le bras gauche devant ici. On inspire, on souffle ici. On inspire, on défait les jambes. On tire bien les bras au ciel.
On inspire profondément et on souffle ici devant. On inspire, on se redresse et on souffle, on revient de face. Bien les pieds, on rééquilibre la posture. On inspire, on tend les bras sur les côtés et on souffle. On inspire, on plie les jambes et on souffle devant les bras, ici. On inspire, on pivote les deux bras sur la jambe droite et on souffle. On inspire, on revient de face. On inspire, on pivote les deux bras sur la jambe gauche. On souffle. Et on inspire, on revient de face. On va faire une petite série de yoga égyptien. On va mettre bien les bras en équerre. Les mains qui se font bien face à face. Les jambes, on les replie un petit peu. Et on inspire, on pivote bien sur la jambe droite, on souffle. Et on revient. On inspire, on souffle de l'autre côté, à gauche. Et on revient. On reprend la posture des bras, on les rééquilibre, ils deviennent très lourds. Et on souffle ici devant. On inspire, on redresse. Et on souffle, on descend le coude gauche sur le genou droit. Et on redresse. On souffle. Le buste, on redresse que le buste. On inspire, on souffle le genou gauche. Le coude gauche sur le genou gauche et on souffle. Et on inspire, on ramène les deux coudes devant et on souffle ici devant. On inspire, on monte les bras, on joint les mains, toujours jambes pliées et on descend les mains sur le plexus, soufflant cardiaque. On inspire, on détend les jambes. Et on souffle. On inspire profondément et on souffle. Encore une fois, on inspire profondément. Et on souffle. On inspire profondément. Et on souffle. On inspire, on plie la jambe droite, on tire bien la jambe gauche, on souffle et on redresse. On inspire, on plie la jambe gauche, on tire bien la jambe droite, on souffle et on redresse. On inspire, on monte les bras et on souffle les paumes vers le sol, les bras bien écartés. On inspire, on descend le bras droit, soit sur la jambe, soit sur le pied, soit à côté du gros orteil, ou soit si on est très souple à côté du petit orteil, on ouvre bien le bras gauche. On le regarde. On inspire, et on souffle, on descend à gauche, exactement la même position qu'on a pris à droite. Et on regarde la main droite au ciel. Et on remonte. On resserre un petit peu les jambes, on va un petit peu marcher sur place pour stimuler. Beaucoup de points d'acupuncture. Il y a des muscles qui se réveillent. Surtout en cette période où le corps était beaucoup immobile. Donc il y a beaucoup de choses qui se réveillent. On prend le temps de réveiller tous les muscles tranquillement, sans douleur, sans gêne. Alors, maintenant que nous avons fait ça, nous allons partir sur une petite posture d'équilibre debout. Donc pour faire cette posture, vous allez bien aligner vos orteils, bien aligner vos talons. Alors, soit vous montez ici, voilà, soit vous montez ici, soit vous montez vraiment un peu plus haut, soit vous montez. Si vous êtes très souple, alors on fait attention à la matière. On ne fait pas un contrepoids avec le pied. Vraiment, on n'a pas besoin d'appuyer le pied. Hein. Le pied tient tout seul. Donc, une fois que vous êtes prêt, tranquille. Donc,
On monte la jambe droite au niveau que vous désirez. Tranquillement, une fois que vous êtes prêt, vous montez bien les bras au ciel et vous vous déstabilisez. Vous respirez tranquillement, vous laissez le se positionner tout seul. Tout doucement, comme vous en avez marre, vous pouvez sortir de la posture. On guide son pied à descendre. Et on va faire tranquillement l'autre côté. Donc, pareil. Si vous étiez là, vous restez au même niveau. Si vous étiez là, vous restez au même niveau. Si vous étiez là, vous restez au même niveau. Si vous avez monté la jambe plus haut, faites-vous la monter plus haut. On se concentre avant de démarrer. On prend un temps pour soi, vraiment pour se concentrer. Puis c'est super agréable avec le bruit des oiseaux. Et on part de l'autre côté. Une fois que vous avez stabilisé le bas du corps, tranquillement montez les bras au ciel. Et on souffle. On continue un petit peu. Alors, on va détendre un petit peu le dos. Bon, on va bien serrer les pieds. On souffle devant, ici, bien les bras. Et on va avancer bien les bras devant. Les talons sont bien posés au sol. Et on pousse bien le fessier vers le ciel. On pousse bien le fessier, on se détend, on souffle tranquille. On inspire, on souffle, on vient sur la pointe des orteils devant, ici, en bâton. Et on souffle, on recule en arrière, on pousse bien le fessier vers le ciel, on pousse bien. On pose bien les pieds au sol. On inspire. On souffle, on bascule devant ici. On inspire, on souffle. Et on revient en arrière, tranquillement. Tranquille, on ramène les mains vers les pieds, jambes tendues. On va mettre les mains au-dessus des pieds, on va commencer un petit peu les abdos, les fessiers. On inspire, on serre le bas du dos, le ventre, et on tire devant les bras. Et on remonte tranquillement et on souffle. Maintenant, on va prendre avec ses mains ses deux coudes. On va bien les monter au-dessus de la tête. On va bien arrondir le dos et on tire les bras devant, ici. Là, et on lâche toutes les tensions dans le dos. Les bras sont lourds. On les laisse balancer. On se redresse avec les bras sur la tête. On inspire, on lâche et on souffle, on lâche toutes les tensions dans le haut du dos, dans le milieu du dos, dans le bas du dos, on se détend. Vraiment, on se détend, voilà, on remonte. On monte les bras sur la tête et on souffle, on ouvre bien les bras. Alors, maintenant, on va se mettre un petit peu sur le ventre. Ici, les mains au niveau de la poitrine, le montant au sol. Les pieds sont sur le dessus. Les coudes sont remontés vers le
vers les omoplates. Et on se soulève. Ici, on souffle. On inspire un peu plus, on se soulève vers le ciel. Et on souffle en descend directement vers le sol. Ici. On inspire, on lève un peu la tête, on souffle. On inspire, on lève un peu plus la tête, on souffle. On inspire, on lève un peu plus la tête, on souffle. Et on inspire, on souffle un peu plus en l'air. Et on inspire, on souffle en regardant le ciel. Et on souffle en redescendant carrément le montant au sol. On va recommencer. On inspire, on soulève un peu la tête, on souffle. On inspire, on soulève un peu la tête, on souffle. On inspire, on soulève un peu la tête, on souffle. On inspire, on souffle. Et on inspire, on souffle. Une fois qu'on se met dans cette posture, on inspire et on se met à quatre pattes. Et on tire bien la colonne en arrière et on souffle, on pose le front pardon, sur le sol et on se détend. On tire bien, on se laisse vraiment envahir par cette détente. On inspire, on revient quatre pattes et on souffle, on descend directement le bassin ici. On inspire, on souffle, on bascule le corps en arrière et on pose le front au sol. On inspire, on souffle ici, devant. Cette fois-ci, on libère les pieds et on monte ici. Et on souffle, on redescend les jambes et les pieds. On inspire, on revient quatre pattes. Et on tire encore la colonne bien à l'arrière. On pose bien le menton, le front pardon, au sol. On inspire, on revient à quatre pattes. On souffle. Et on souffle devant. On redescend le bassin. On inspire, on revient à quatre pattes. Corps et on souffle. On inspire. Et bien en envoyant la jambe droite au niveau des mains sur le côté droit. Donc au niveau des mains, on envoie bien la jambe devant. Et on souffle devant en descendant le bassin. Et on revient. On va même sur la jambe. Et on souffle. On va faire la même chose à gauche. Donc, on tire bien la main au niveau, le pied au niveau de la main gauche, de la main droite aussi. Et on souffle devant, en descendant en bassin au sol. Et on revient tranquillement. Donc, on redescend au sol. On va mettre la main gauche au niveau du cuisse et la main droite en dessous, contre le sol, et on pose le menton sur le sol, on se détend. On inspire, on lève la jambe droite, et on souffle, on redescend la jambe. On inspire, on lève la jambe gauche, et on souffle, on redescend la jambe. Et on inspire, on lève les deux jambes. Et on souffle, on redescend. On inspire, on fait quelques respirations pour se détendre. On inspire profondément par la bouche. On souffle. On inspire par le nez, pardon, et on souffle par la bouche. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Et on souffle, on redescend.
Sur l'inspire, on lève bien la jambe gauche. Et on souffle, redescend. On fait deux ou trois respirations. On inspire bien par le nez, on souffle bien par la bouche. Et on inspire, on soulève les deux jambes. Et on souffle, on redescend doucement. On fait trois ou quatre respirations. On inspire par le nez. On souffle profondément par la bouche. On inspire par le nez. Bouche. Et une dernière. On relâche toutes les tensions. On va mettre les mains sur le côté. On inspire. Et on souffle, on vient se détendre. En basculant le corps en arrière, en pose le montant, le front au sol. Alors, ça a bien tiré la colonne, ça a bien tiré plein de muscles. On voit que le cerveau s'apaise de tous ces soucis aussi. Pour votre séance de yoga du dimanche, on va finir par deux postures. Donc, on va se mettre devant. On va bien se mettre donc assis. Donc là aussi, si vous êtes dans un creux, mettez une cale au niveau du fessier. On redresse bien les pieds vers le visage, les jambes bien à plat. On inspire, on lève bien les bras au ciel. Et en soufflant, on se détend devant. On inspire, on redresse les bras. Et en soufflant, on va un peu plus loin dans la posture. On inspire, on redresse. Et on souffle. On va un peu plus loin dans la posture. On relâche, on laisse glisser. Et puis maintenant, on va s'accorder un petit moment de détente. Donc sur le dos, les pieds légèrement tombés sur les extérieurs, les mains tournées vers le ciel, on pose la tête, on écarte un peu les bras, le corps est bien droit, et on va faire quelques respirations. Donc on va bien gonfler le ventre, bien gonfler le diaphragme, bien gonfler la poitrine, et on va souffler dans le sens inverse. On va le faire 6 fois, tranquillement. Donc je gonfle bien mon ventre. Donc il faut bien pousser le ventre, regardez comment mon ventre gonfle, l'impression d'être enceinte. Je gonfle mon diaphragme, ma poitrine et je souffle. Dans le sens inverse. Je gonfle. Et je prends le temps de bien relâcher toutes les tensions de mon corps en soufflant. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Et je souffle en détendant tout mon corps. On se laisse envahir par ce moment de détente et de bien-être. Tous les muscles se relâchent. La respiration nous aide à relâcher tout ça. Bien enfoncé dans le sol. Et on inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle.
Vous pouvez rester encore un petit peu dans cette posture si vous désirez. Voilà, donc moi, c'était un plaisir de faire cette séance aujourd'hui avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire. Si vous avez envie de faire une série un peu particulière, si vous avez des problèmes de santé, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire ou un message en privé. Donc voilà, je suis à votre disposition. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite plein de soleil, plein de bonnes choses, plein d'ondes positives. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Bye bye.